éviter la compulsion, ça veut dire prendre le temps. Prendre le temps de voir les choses venir sans être brusqué par les réactions que l'on a. C'est une chose évidente pour celui qui veut aller beaucoup plus profondément. Parce que autrement, la profondeur ne va pas être visible. On ne restera que dans la superficialité. Parce que nos réactions répondent aux besoins immédiats. Le besoin immédiat de se rassurer, de se faire plaisir, de se satisfaire. C'est un besoin immédiat. Et dans cette réponse que l'on donne, alors l'esprit est vite embarqué par quelque chose qui brille, quelque chose qui, à quoi on se donne, une promesse que l'on donne de l'importance pour atteindre ce que le désir qu'émande, le centre égocentrique qui veut atteindre la joie qu'il pense avoir besoin, qu'il pense pouvoir atteindre. Mais on arrivera devant et cette joie, ce n'est qu'une illusion parce que c'est du plaisir que l'on atteint et ce plaisir disparaît ensuite comme il est venu. C'est éphémère. Donc nous sommes tous dans la déception d'une vie que nous avons nous nous sommes promis à nous-mêmes et en fait, on n'arrive pas à être présent à ce que la vie a vraiment prévu. Nous ratons le coche. Nous ne voyons pas les choses comme elles sont. On voit les choses comme on pense. Et comme on pense, c'est la pensée qui dirige, qui programme ce que l'action devra être. Donc quand tu réagis avec la pensée, ça veut dire que tu es identifié aux pensées et que ces pensées auxquelles tu réponds et tu penses être cela, eh bien, elles te font faire des choses que parfois tu ne veux pas faire, mais tu fais quand même parce que c'est dans les réflexes, dans la compulsion que ça se passe. Beaucoup de choses que nous faisons sont remplies d'instincts, de réflexes. Et à ce moment-là, il n'y a pas la conscience d'être présent dans l'événement qui se joue. Parce que si tu es présent dans l'événement qui se joue, alors tu as la capacité de comprendre parce que tu es présent. Mais si tu n'es pas présent, si ton esprit est embarqué avec des histoires que tu te racontes, des promesses que tu cours derrière, alors tu ne verras pas ce qui se passe vraiment, parce que tu n'es pas présent. Être présent, c'est toute l'importance qu'il y a pour pouvoir voir la réalité des choses. Autrement, on regarde le monde et on ne voit pas la réalité. On voit quelque chose qu'on met en place, quelque chose qu'on voudrait voir, parce qu'on a le désir que les choses se passent selon la zone de confort que je me suis construit. Donc toute cette activité fébrile, où on court partout pour pouvoir agir, pour pouvoir accomplir, pour pouvoir contrôler, pour pouvoir gagner, pour pouvoir réussir. C'est quelque chose qui se passe dans l'inconscience. C'est l'activité des pensées. Et quand la pensée est active, il n'y a pas la présence de ce que tu es. Parce que ce que tu es, en quelque sorte, est en dehors de ce que la pensée peut exprimer. La pensée, c'est ce que tu es dans le sens où ce que tu as appris d'être
tout ce que tu vis est remémoré et tu répètes. Et tu dis ça, c'est moi. Parce que tu ne vibres pas juste comme tu es à l'instant où tu vibres. Tu vibres selon ce que tu as acquis. Et ce que tu as acquis n'est plus là. Ce que tu es est quelque chose d'extraordinaire qui peut se mouvoir d'instant en instant. Mais pour cela, il faut que tu abandonnes ton identité à ce que tu penses être, c'est-à-dire la pensée que tu te promets à toi-même d'acquérir. L'être que tu te donnes d'être, l'image que tu te donnes, tout ça, ça n'existe pas. Ça existe dans ta tête, dans la tête d'une société qui nous a propagandisé comment tu devrais être, comment tu dois réussir. Mais en fait, c'est un grand leurre, un leurre extraordinaire dans lequel nous sommes tous embarqués. Et si tu peux te mettre un petit peu en recul et voir que toutes les pensées que tu as, c'est pas toi. Alors, tu as de l'intelligence. À ce moment-là, tu es en contrôle. C'est toi qui donne le là pour que la vie puisse fleurir. Mais si ce sont tes pensées qui donnent le là et que tu crois être cette pensée, la pensée, elle ne fait que répéter ce que tu as vécu avant. Donc la répétition n'est pas quelque chose de vivant. Et ce que tu es, c'est le vivant. Alors tout ce que tu répètes, tout ce que tu sais, fais un pas en arrière et regarde bien que tout ce que tu sais, c'est quelque chose qui se meut et que tu veux mettre en place. Mais ce n'est pas toi. Ce que tu es, c'est ce que tu ne sais pas, ce qui se passe tout de suite là, d'instant en instant, et qui s'émerveille, qui se propage comme ça. Thank you.